Vous aimez les histoires vraies? Vous êtes sur la bonne chaîne. Je suis Serge Jeannoin Benanti et aujourd'hui, je vais vous présenter Jeanne l'empoisonneuse. 13 crimes en Deux-Sèvres. Dans un département rural, que l'on disait si tranquille, se sont déroulées des affaires criminelles étonnantes. Jeanne Belloin, l'empoisonneuse de Nueil-les-Aubiers, a testé pour vous tous les poisons. Madeleine Miot serait-il un nom prédestiné pour assassiner son mari? Deux Madeleine Miot nous le prouvent. On pénètre dans l'intimité de la justice en suivant les enquêtes du juge Château et de son greffier. La justice est parfois expéditive. On se fait le témoin d'histoires d'amour qui sont si mal engagées qu'elles conduisent au crime imbécile et pitoyable. On suit, avec une frayeur troublante, la sanglante poursuite dans les rues de Niort de l'anarchiste et faux-monnayeur Joseph Lauer. Mais on est révolté et même écœuré par l'affaire Françoise Bossard et les enfants martyrs de Brioux-sur-Boutonne. 13 histoires passionnantes, 13 jugements qui nous interpellent. Bonne lecture.